Bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie sur Let's Play de Paw Patrol, la Super Patrouille sauve la Grande Vallée, sur PlayStation 4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait les deux missions de trouver Galinetta et la montagne de Jake. Et aujourd'hui, on enchaîne avec les deux prochaines missions et on commence tout de suite avec la mission Sauver Carlos. C'est parti. Donc apparemment pour cette mission, on va jouer avec Chase et Tracker, si j'ai bien vu. Allez, comme d'habitude, je vous laisse avec le petit débrief de la mission et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous. Merci d'être venu si vite. Carlos était en train d'explorer un temple ancien au cœur de la jungle. Le voilà pris au piège dans les lianes dans un arbre. Il ne peut pas redescendre. Trouve-le et aide-le à descendre. Utilise le super odorat de Chase pour t'orienter dans la jungle et trouver Carlos. Les outils de Tracker peuvent servir à couper les lianes pour libérer Carlos. Parfait! La Paw Patrouille part en mission! Ah, et cette fois-ci, on décolle en Paw Patrouilleur, d'accord. Enfin, je crois que c'est le Paw Patrouilleur, hein, si je me trompe pas. Oui, parce que là, en même temps, là, on va pas dans la Grande Vallée, mais on va dans la jungle. Donc, forcément, on a besoin d'un véhicule qui permet d'aller très très loin, on va dire. Ouais, ça bouge plus, j'ai peur. Non, c'est bon, ça a repris. À un moment, j'ai eu peur que le jeu freeze. Je me suis dit, ah non, faut pas que le jeu freeze quand même, là, faut arrêter. Enfin, même si là, ça commence à être long quand même. Alors. Ah, quand même! Un petit peu long là. Allez, c'est parti. Bravo! Essaie de récolter autant de friandises que tu peux. Épatant! Tu as un sac de friandises. Dans chaque sac, il y a 3 friandises. Allez, vas-y, Chase, creuse-moi ça. Et par contre, de l'autre côté, j'ai vu un truc pour Tracker. Tracker! Ici. Ah, il a exactement le même truc que qu'Everest. Bon, si vous voulez. Pop. Ok, on vient déjà passer le 50, c'est bien. Ah, par contre, là-bas, j'ai vu un truc pour toi. Cette mission, nous avons Chase. Besoin de Chase. Allez, vas-y. Bon, ça va, les biscuits, ça se ramasse assez vite, hein, quand même, dans l'ensemble. Donc ça, c'est bien. Hop là, parfait. Allez, vas-y, ramasse-moi tout ça. Hop. Hop là, Tracker. Parfait. Allez, Tracker, tu peux chercher les biscuits dans l'arbre. Très bien. Allez, on avance. Je peux y aller, là? Oui, je peux. Voilà. Oh là là. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Je maîtrise. Je maîtrise. Ok, on vient de passer les 100. C'est bien. Pop. Ok, là. Rebelote. Hop là. Sympa aussi la petite musique de jungle, j'aime bien. Oh, t'as pas pris, voilà.
Parfait, y'a rien en dessous. Non, on dirait qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, bah, on avance alors s'il n'y a rien. Allez, on enchaîne. Ah, il y a un badge pas loin. Il doit être là-haut. Allez, vas-y, vas-y. Ouais, il est là. Parfait. Super, tu as trouvé ton premier badge. Un badge trouvé. Il n'en reste plus que deux. Hop, ah, Tracker, on va avoir besoin de toi pour couper les lianes. Oh, pareil, mais quel dommage, c'est comme la pale patrouille en mission, c'est pareil, quel dommage que les chiots ne font pas de bruit, ils n'aboient pas, c'est tellement dommage, quoi, ils auraient tellement pu le faire, ça. Bon travail, nous devons continuer. Carlos t'attend. Les chiots sont muets, quoi, c'est dommage, franchement. Franchement... La végétation est de plus en plus dense. Aide Tracker à utiliser son ouïe épatante, suit le bon chemin. Utilise l'ouïe phénoménale de Tracker pour ouvrir... Alors, je n'ai appuyé sur aucun bouton, hein, et il s'est coupé tout seul. Hein. Alors, j'ai bien vu celle de l'autre côté, vous inquiétez pas. Je veux juste voir si on peut aller par là. Oh, d'accord, non, ok. Essaie encore. Écoute les consignes audio pour te guider. D'accord. Ok, donc si je me gourde de chemin, il va se perdre. Ok. Bon travail! La végétation est de plus en plus dense. Aide Tracker à utiliser son ouïe épatante. Eh, vous voyez, ça coupe, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Bon. Si vous voulez. Bravo! Si vous voulez, bon. Allez, c'est reparti pour... couper les lianes. Hop. Parfait. Allez, on Bravo. Enchaîne. Ah. Ah, 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 ah. Il n'y a pas de biscuits là dans le coin? Non. Non, pas du tout. Ok, bah allons-y alors. Utilise ce vieux mécanisme pour activer le pont et aller jusqu'au temple en ruine. Ces engrenages pourraient servir à activer le pont, mais ils sont trop lourds. C'est une mission pour la super patrouille. Eh ben c'est parti. Mais ils font pas de bruit les chiots, flûte. Ok, donc on va avoir besoin de Super Stella et de Super Zuma. Ok, ça marche. Alors Stella, on l'a déjà vu, Super Stella, mais Super Zuma, on l'a encore jamais vu. Donc vous allez voir ce qu'il sait faire. Au travail, la super patrouille. Ok, on change. Hop. Allez, je continue quand même à ramasser des biscuits, hein, c'est le but quand même du jeu. J'ai rien oublié derrière? Non. J'adore, mais Stella qui traverse carrément le... Le sol, c'est... Ouais, bon. Bon, après, je sais bien qu'on n'en demande pas tant forcément à un jeu pour les tout-petits, hein, parce que, évidemment, les tout-petits vont pas, évidemment, faire le distinguo, hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer, hein. Tu te débrouilles très bien. Mais quand t'as un peu d'expérience au niveau des jeux vidéo, tu le vois tout de suite, ça. Ok, vas-y. Hop, 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 hop. Alors, je sais pas combien il y a de biscuits dans ce niveau. On verra bien au fur et à mesure du temps. Hop là, parfait. Ah, il faut monter là-haut. Hop là, ok, on vient de passer le 250. Hop là. Est-ce que tu peux passer là? Il y a encore des biscuits à choper. Hop là. Est-ce que tu peux monter? Oui, parfait. Très bien. Hop, par contre, je vais faire un petit demi-tour là, ouais, parce que j'ai raté des biscuits. Hop, vas-y, tu peux me choper tout ça. Ok, on vient de passer le 300. C'est bon, j'ai rien oublié. Alors, on avance. Oh.
Bon, les musiques sont sympas. Bon, c'est vrai que je l'ai pas mis trop fort pour pas que ça empiète sur ma voix, mais franchement, c'est bien. C'est de bonnes musiques. Bon, pas très marquantes, bien sûr, mais ça va. Ça se prête bien à l'ambiance. C'est bien. Ok, on vient de passer les 350. Ok. Ok, 392. Bon, j'espère avoir un oublié. Voilà le pont. Ed Stella a utilisé sa super tornade. Prêt pour une super opération? Oui, oui, on y va. Allez, premièrement, on utilise la tornade de Stella. On va faire la moulinette. Utilise l'équipement de Zuma pour aller de l'autre côté et ouvrir le pont. Et on est parti cette fois-ci avec Zuma. Aéroglisseur. Désigne la bonne zone. D'accord. Il faut que je mette la zone et que j'appuie sur croix. Voilà. Donc Super Zuma, voilà, lui ce qu'il sait faire, c'est qu'il peut balancer de l'eau à volonté. Le pont s'ouvre. Bon travail. Le pont s'est ouvert. Aide Chase et Tracker à aller jusqu'au temple en ruine pour sauver Carlos. Voilà, Zuma qui sait maîtriser l'eau. Parfait. Allez, on enchaîne. On revient avec Tracker et Chase. Ah, Tracker, on a encore besoin de toi pour couper. Vas-y. Alors par contre, dans l'animé, ce qui est un peu étrange, entre guillemets, c'est que le tracker n'a aucun super pouvoir, en fait. Bon travail. Nous devons c'est un peu dommage. Carlos t'attend. C'est un peu dommage que tous les chiots qu'on connaît n'ont pas forcément de super pouvoir. C'est un peu dommage. Alors Ryder qui vient de dire que j'avais presque tout. Par contre, niveau badge, j'en ai qu'un là, hein, donc ça me fait un peu peur. En aurais-je oublié un dans les parages? Bon, après c'est possible hein, que j'en ai loupé hein. C'est tout à fait possible. Oh, tu peux monter s'il te plaît mon cher Tracker. Voilà, très bien. Pourtant je vois pas le badge s'allumer, donc c'est un peu bizarre. Hop, parfait. Là, je le vois, le voyant qui s'allume, là. Ah, il est là-haut. Hop là. Bon travail. Plus qu'un badge à trouver. Alors, je sais pas où il va être le dernier. Il doit être un petit peu plus loin. Pop, 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 pop. Ah ouais, donc il y a plus de 500 biscuits encore à choper ici. Oh là là. Ok, bon, après ça me dérange pas plus que ça, mais bon. C'est que c'est un petit peu plus long. Ah, la Chase, ton odorat va servir, mon petit chou. Génial, tu as trouvé les ruines. Aide Chase à suivre la trace de Carlos grâce à son super odorat. Allons-y. Alors, si je me gourde de côté, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah. Ok, le truc réagit. Hop, rien par là. Si. Et comme quoi, faut quand même fouiller partout, hein. Hey, il est là, mon troisième badge, parfait. Ok, très bien. Il y avait rien de l'autre côté. Non. Vas-y, avance. Hop. Quelque chose au-dessus. Oui. Tout pour ici, y a rien d'autre. Non. Alors on avance. Pop, 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 pop. Ok, on vient de passer le 550.
En fait, plus t'avances dans les niveaux, plus il y a de biscuits à choper, en fait, hein, en y réfléchissant. Y'a rien derrière? Non. Ah ouais, t'as vite fait de te perdre quand même ici, hein. Ouh. Donc, ouais, j'avais raté des biscuits là, hop. Quand j'aurais bien aimé que la caméra dézoome un peu, en fait. J'aurais vraiment aimé. Pour cette tracker. Mission, nous avons besoin de tracker. Eh ben vas-y, mon grand. Ah, par contre, c'est dommage que les trucs là se répètent. C'est dommage parce que moi, je préférais les niveaux courts, voyez, du premier monde qui étaient franchement plutôt courts et assez sympas. Là, je trouve qu'on commence à aller dans les travers justement du fait que ça se répète un peu. C'est un peu dommage. Félicitations, tu as toutes les friandises. Ok, on a tout. Et voilà Carlos, parfait. Déploie le filet de Chase pour rattraper Carlos s'il tombe. Utilise les outils de tracker pour libérer Carlos des lianes. Coupe les lianes. Eh bah c'est parti. Oh, c'est tellement dommage que les chiots n'aboient pas, franchement. C'est tellement dommage. Tu as sauvé Carlos. Mission terminée. Parfait. Carlos va bien. Et 600 biscuits de plus. Et j'ai obtenu un nouveau trophée. Carlos est enchevêtré. Et un nouveau trophée, un explorateur hors pair. Loul. Alors on a eu quoi? L'emblème de Carlos, du temple du singe et de Tracker, l'explorateur. Là pareil, vous voyez, je trouve ça bizarre qu'on pour accepter, enfin pour continuer, il faut appuyer sur la touche triangle et non la touche croix. Je trouve ça bizarre aussi, mais bon. Si vous voulez. Je vous en veux pas pour ça, vous inquiétez pas. Ok, on a déverrouillé l'emblème de Super Marcus, de Zuma le plongeur et de Marcus le secouriste. Parfait. Mission principale. Bon, on est parti pour la mission suivante. Sauver Mandy. Allez, c'est parti donc pour sauver Mandy. Alors là, j'ai pas vu avec qui on jouait, avec Marcus et Ruben, c'est ça? Si j'ai bien vu. Bonjour à tous. Merci d'être venus si vite. Mandy et sa famille jouaient près du volcan dans la jungle. Mais le volcan est entré en éruption et ils se retrouvent piégés par la lave. Attention à la lave. Sauve-les le plus vite possible. Les canons à eau de Marcus peuvent refroidir les roches enflammées qui te bloquent le passage. Utilise la super force de Ruben pour retirer les roches qui te font obstacle et qui t'empêchent de rejoindre Mandy et sa famille. Parfait! La Pat Patrouille part en mission! Eh ben c'est parti. Let's go! Donc c'est bien ça, on va jouer avec Marcus et Ruben aujourd'hui. Enfin pour cette mission en tout cas. Allez, let's go. Ah, avant on commence avec Stella. 3, ok. 2, 1, bon, avec Stella go. On connaît. Parce qu'on a déjà fait la mission avec elle, on sait comment ça marche.
Allez, on se concentre, on essaie vraiment de ramasser tous les biscuits si possible. Ok, c'est pas mal. J'essaie d'accélérer un peu, mais pas trop quand même. C'était un peu vache là, hein, de mettre les os directement de l'autre côté. Ok, on vient de passer la moitié. J'ai tellement peur d'en louper, hein. Ça doit être combien, 250 en tout, je pense. Allez, encore 30. 30. Encore 20. Allez, ça devient bon. Hein. Olé ! C'est joli ! Et encore 10. Et voilà les 4 derniers. Parfait ! Impeccable ! Mission terminée ! Excellent ! 250 sur 250, c'est parfait ! Magnifique, magnifique. Mais pareil, ça c'est une question que je me pose, mais qu'est-ce qu'on faisait que c'était là en fait là? Expliquez-moi quoi. Je sais pas, Marcus et Ruben, ils peuvent pas y aller directement au volcan? En plus, ils y vont avec le pas de patrouilleur, quoi. Alors pourquoi Stella, elle faisait un petit tour? J'en sais rien. Le niveau de lave est très haut, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air dangereux. Dépêche-toi d'aller jusqu'à Mandy et sa famille. Eh ben, c'est parti. Bravo! Essaie de récolter autant de friandises que tu peux. Et pas tant! Tu as un sac de friandises! Dans chaque sac, il y a 3 friandises. Hop là. Super, tu as trouvé ton premier, badge. Très bien. Voilà. J'ai un peu chu, mais tout va bien. Allez, vas-y. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop là. Parfait. Vas-y, passe ici. Un mini volcan. Ah, celui-là est un petit peu plus gros là. À cause de la lave, les roches sont devenues très chaudes. Aide Marcus à utiliser son canon à eau pour refroidir les roches, puis traverser. Ça marche. Vise les endroits chauds sur les roches pour les refroidir plus vite. Ok. Allez, vas-y. Là-bas. C'est bon? Parfait? Bravo! Allez, on enchaîne. Hop, 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 hop. Tatin. Tatatatin, tatin, tatin. Et là, justement, pourquoi vous ne demandez pas à Super Zuma de, de s'occuper de la lave, quoi, vu qu'il a le pouvoir de l'eau? Enfin, je sais pas, ça me paraît logique, non?
Il y a des choses des fois qui m'échappent un peu, des fois dans les dessins animés, mais bon. Passons. Oula. Ah d'accord. Si vous voulez. Ah, il y a un badge derrière. Cette grosse roche ne va pas te rendre la tâche facile. Mais je vois ça. C'est pour ça qu'on va demander à Super Ruben de s'en occuper. Voilà, parfait. Allez, on enchaîne. Oula. Ok, bon deuxième travail. Badge obtenu. Il en reste plus un. Qu'un badge à trouver. Pour cette mission, nous avons besoin de Marcus. Eh ben, vas-y, mon bon Marcus. Ruben. Alors, par contre, Ruben, je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu, mais... Il voulait faire joujou. Il gambadait dans le volcan, tu sais pas pourquoi. Loul. Tiens, t'as un rocher là pour toi. Ah, Marcus, lui, il reste bien sage où il est. Tu vois? Génial, tu te débrouilles très bien. Allez, on vient de passer le 150. Hop. C'est bon, j'ai un billet. Non. Alors, on avance. Hop. Hop. Un petit caillou pour Ruben. Parfait. Ah bah, là, on a un petit volcan. Marcus. Pour Marcus. Pas de jaloux, hein, chacun votre part du boulot, les gars. Ah, il y a encore un badge ici, et il est là. Parfait, on a les trois. Ruben, pour cette mission, nous avons besoin de Ruben. Eh ben vas-y mon bon Ruben. Et là-bas je vais avoir besoin de Marcus. Marcus. Attention, cette cascade bloque le passage. C'est trop chaud. Arrête la lave. Rien ne pourra vous arrêter. Allez la super patrouille. Allez c'est parti. Ah bah voilà. J'allais dire on a besoin de super Zuma, ça serait beaucoup plus simple. Ah, et également de Super Everest, bah oui, évidemment, puisqu'elle contrôle la glace. Entre l'eau et la glace, je pense que le volcan va pas tenir très longtemps. Allons-y, la super patrouille. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Hop là, parfait. On a déjà les 3 badges, donc ça c'est parfait. Et on vient de passer le 250. Ah non, franchement, les musiques sont super sympas, j'aime beaucoup. Non. J'ai besoin de monter, merci. Oh, Suma, qu'est-ce que tu me fais là? Ne vous inquiétez pas pour en bas, hein. je vais tout chercher tout de suite. Ok, c'est bon pour ici. Ça a l'air d'être bon. Parfait, alors on avance. Tu me rejoins, Everest? Ouais. Merci. Hop. Allez, passe ici. Hop là, parfait. Très bien.
remarqué, on vient de passer le 350. Tu as presque toutes les friandises. Et j'ai presque tout. Donc ça doit être combien ici? 550 peut-être? Je crois que c'est à 200 près, je crois, quand il me dit ça, Ryder, je crois. Comment je monte là-haut, moi? À part là. C'est bon, j'ai un NB derrière? Non. Je me méfie après des fois que, hein, mais bon. Ok, parfait. Très bien. Allez, chope-moi tout ça. Oh là, oh là. Tu begouilles, mon cher Zuma. Ok, je sais pas à quoi il sert ce truc, mais il sert à rien en fait. Il y a une rivière de lave. Utilise les hydrojets de Zuma pour refroidir la lave. Eh bien, allons-y. Bien joué. Et le deuxième. Bien joué. Bravo. Tu as aidé à arrêter la lave. Maintenant, aide Everest à utiliser son souffle glacé. Bien joué. Bravo. Excellent. C'est pas dire autre chose. Refroidir la lave. Utilise Alors. Le stick gauche pour déplacer Everest et refroidir la lave. D'accord, faut juste la déplacer, quoi. Et tout remplir. Bon, bah, allez. Ok, faut que je remplisse la jauge à fond. Bon, bah, allez, c'est parti. Voilà, parfait. Oh, ouais, même pas besoin de tout remplir, dis donc. Tu as arrêté la lave. Marcus et Ruben peuvent maintenant continuer en toute sécurité. Allons-y. Parfait. Bon, par contre, j'ai quand même besoin de Marcus pour refroidir la pierre là. Hein. Utilise les canons à eau de Marcus pour refroidir la roche et traverser. Parfait, très bien. Allez, on enchaîne. Ah, des fois, les sauts, c'est pas ça. Hein. Ruben. Allez, on va changer un petit peu. Hop. Parfait, on vient de passer le 450. Ah bah non, en fait j'ai encore besoin de... Nous avons besoin de Marcus. De Marcus, bon, tant pis. Allez, vas-y mon bon Marcus. Non, descends là. Voilà, parfait. Impeccable. Ah, retour avec la super patrouille. Bah oui, on a besoin de super humaine pour soulever le rocher. Impeccable. Allez, on enchaîne. On doit bientôt être au bout, je pense. Non? Je sais pas pourquoi je change avec Ruben à chaque fois, mais bon, pas grave. Ah, bah voilà les singes. Il fait très chaud ici. Tu dois te dépêcher de les faire sortir. Les canons à eau de Marcus ne suffisent pas. Il faut trouver un moyen de refroidir tout ça plus rapidement. Eh bah, on va demander à... Tu as besoin du super rayon glacial des... Ah oui. Allez, c'est parti.
J'aime bien ces petites cinématiques à chaque fois entre les... A chaque fois qu'on utilise la Super Patrouille, j'aime bien franchement les cinématiques. Bon par contre ça me fait peur parce que j'avais loupé 9 biscuits, alors si je dois tout recommencer ça m'embête. Voilà, c'est bon, parfait. Allez, vous pouvez descendre. Mission terminée. Ah oui, donc ce sera pas 100%. Ah, dommage. Dommage. Bon, tant pis, sinon je le referai en off. Et j'ai obtenu un nouveau trophée, la famille de Mandy. Ah oui, il m'en manque 9. Mince. Ok, j'ai obtenu le volcan, Marcus et Mandy. Parfait. Bon, on va pas leur faire, je leur ferai en off, hein, les 500 biscuits. C'est pas grave. Tant pis. Bon, bah écoutez, c'est parfait. On a fait nos deux missions du jour. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Ok, 3091, bon normalement je devrais être à 3100. Et on a déverrouillé, c'est parti pour un petit tour dans les airs. C'est que la course d'obstacles, le stand de Monsieur Porter. Et Monsieur Porter. Et Capitaine Turbo, oh bah dis donc, j'ai débloqué beaucoup de choses. Tiens, regarde un peu dans la collection là, qu'est-ce qu'on a débloqué, juste pour voir, tiens. Alors au niveau des personnages, on a... Ah oui, il y a 3 pages quand même. Hein. Ah oui, encore du boulot. Mais c'est vrai qu'ici ce sera quand on aura tout. Ok. Ça marche. Ouais, donc il y a encore du boulot quoi. Super Chase. Pardon, excusez-moi. C'était le rond que je voulais faire. Pareil au niveau des lieux. Pourquoi il y a. Ouais, bizarre. Bon, bref. Ouais. Animaux. Et animaux. Ouais, bon, pareil, ça reste débloqué au fur et à mesure. Mini ok, mince. Et au niveau des mini-jeux, on a tout débloqué au fait mini-jeu. Ou pas la l'aventure en course d'obstacles. Un peu plonge dans l'action avec Zuma. Un petit tour dans ah, peut-être qu'on a tout débloqué déjà. Bon, on verra ça mini-jeu. Par la suite. On verra ça par la suite. Mission allez, principale. On verra ça par la suite puisque là, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait nos deux missions du jour, c'est parfait. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top Top donc, pour cette troisième partie sur Let's Play de Paw Patrol, la Super Patrouille, sauf la Grande Vallée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, bah, on enchaînera avec les deux prochaines missions. Voilà. Et en attendant, bah, moi je vous dis... À la prochaine tout le monde !